a mis de la masse. Des fois, on rigole, mais d'autres fois, on rigole pas trop. Je pourrais faire cette vidéo parce que j'ai trois trucs qui tombent, bim, comme un... Alors, la vidéo du doc sur un mec qui s'appelle John Skywalker. Alors, j'ai appris, comme bien souvent, j'ai appris son existence. Alors là, pas avec sa mort, mais avec des problèmes de santé. Donc, t'écouteras la vidéo du doc. Et après, je vois un truc mystérieux. Mystère en tant que... Alors, la traduction n'est pas terrible. Que top influenceuse de culturisme féminin meurt soudainement quelques jours après avoir célébré son 35e anniversaire. Quelques jours après sa mort, l'influenceuse... Alors, c'est pas elle. À part... Ah non, avant sa mort. Merde, je comprenais plus rien. Avant sa mort, l'influenceuse a partagé des clichés de ses célébrations d'anniversaire. L'influenceur a une durée de vie. Mais t'inquiète pas, tu vas en trouver un autre. Et puis là, pareil, ça donne un lien. Que s'est-il passé donc dans la salle de muscu la nuit de la mort de Mohamed? Et alors, si l'enquête sur la mort d'un étudiant est entendue se concentre... Oh la vache, un accident impliquant une machine de poids, enfin une machine de muscu. On voit plein de trucs, les mecs faire les cons dans les salles, et puis ils se prennent la barre sur la gueule, etc. Souvent ils s'en sortent ou ils ont très mal, mais là visiblement, un étudiant a déclaré que Mohamed utilisait la Smith Machine, une machine à poids assisté, avec la barre fixée en place au moment de sa mort. Selon des sources, un accident massif a été... Enfin, un accident... Alors, c'était pas ça, c'est un bruit massif. A été entendu dans la salle avant que Mohamed ne soit repéré allongé sur le sol. La traduction n'est pas terrible, mais c'est pour te rappeler que... comment... C'est fun, les réseaux sociaux, les influenceurs, etc. Chaque fois que tu t'entraînes, l'environnement est... c'est pas un environnement paisible, etc. Chaque fois que tu te mets sur une machine, tu risques de, pour plein de raisons, ça se trouve il a eu un accident cardiaque, je sais pas ce qui lui est arrivé, il a glissé, je sais pas. Hein. Visiblement, j'ai regardé plusieurs trucs, personne sait trop ce qui lui est arrivé, mais il lui est bien arrivé quelque chose. Donc c'est pas, alors l'environnement de la salle de muscu est dangereux. Mais l'environnement du YouTube, enfin, ou fitness, je sais pas comment on appelle ça, d'influenceurs, etc., l'est encore moins. Donc, on prend ça à la rigolade, etc., mais tu vois que ça peut aussi être tragique. Si tu regardes, je te dis, l'espérance de vie de l'influenceur, etc., elle est courte. Donc, n'entre pas, c'est ce que je te dis tout le temps, je sais que ça fait des vues, etc., mais n'entre pas... excessivement, en tout cas, dans toutes ces conneries. T'as une vie et profite de ta vie sans la vivre par procuration avec d'autres connards. Parce que l'autre, John, il avait l'air d'être gratiné quand même. Parce qu'on parle des mecs, des stéroïdes, etc. Mais je peux te dire qu'en boîte de nuit, les mecs, ils sont beaucoup plus innovants dans les produits que le culturo. Hein. Donc... Artoun, comme auraient dit nos amis il y a quelque temps.